Bonjour, je m'appelle Nicolas Manuel. Accompagné de mon caméraman et ami Henri, on va visiter les bâtiments ou les sites dits hantés pour raconter leurs histoires et leurs secrets. Je suis rationnel à 50%, je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais je suis quand même attiré par le monde de l'inconnu et surtout de l'invisible. Nous sommes les couloirs du paranormal. Nous ne sommes ni chasseurs de fantômes, ni scientifiques. On est simplement deux curieux de savoir. Bonjour ou bonsoir à tous, je vais vous raconter l'histoire de la Maison du Diable. On se trouve en France, dans le sud, plus exactement dans le sud de la France, où on retrouve 3 à 4 maisons du diable. Celle qui nous intéresse a été construite en 1880 par Monsieur Auguste, qui arrivait d'Algérie. Donc, Monsieur Auguste avait un enfant, construit cette maison pour lui, et malheureusement, cet enfant n'a pu très peu habiter cette résidence, car quand il vivait là-bas, il se retrouvait avec des bruits, des bruits, voire carrément des coups dans le sol et dans les murs, ainsi que les murs qui se mettaient à saigner. Donc, la maison fut revendue, a eu plusieurs propriétaires et pareil, et ses propriétaires, pareil, la même chose, des coups, des saignements sur les murs. Et faut savoir aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, cette maison a été le QG des SS et qu'il y a eu nombreux de résistants qui ont été torturés là-bas. On retrouve aussi dans plusieurs recherches que j'ai faites, on retrouve aussi une dame décédée dans cette maison. Et plusieurs enquêteurs paranormaux ont été conviés, avec des autorisations bien sûr, à enquêter sur ce lieu, dont un enquêteur ou sur une soirée paranormale où une jeune fille s'est faite attraper et griffer le bras à l'extérieur de la maison. Donc je répète bien à l'extérieur de la maison. Donc voilà. Et nous y sommes allés, voilà, on a eu plusieurs choses. Ainsi que sur la deuxième enquête où on a dit on ne fera pas de troisième et de clôture de cette enquête définitive. Car ben, même nous, je pense que la maison nous a bien prévenus. Où on s'est retrouvé embourbé en sachant qu'on était quand même en pleine extrême chaleur, en alerte chaleur. Donc il n'y avait vraiment pas lieu de s'embourber avec des véhicules vu qu'il n'avait pas plu depuis des semaines, voire des mois. Donc je pense que la maison nous a bien prévenu que la prochaine fois qu'on retournerait là-bas, ben, on repartirait pas. Donc voilà, je vous laisse à la vidéo et bon visionnage à tous. Bye bye. Ils sont pas là pour faire du mal. Facture. Ouais, j'ai les factures à payer, ouais. Ça c'est sûr. Facture, c'est clair. Facture, il ne pète pas le câble, ce truc-là. Ah, mais t'as pris ton phare. Ouais, j'ai mis un retour. Se tromper de quoi? T'as entendu? Ouais, ça tape là-haut. Ça tape là-haut. C'était vous? Ça refait comme la dernière fois. Science. C'est vous qui venez de mettre un coup là dans les murs? Livre. Ouais, d'accord, quand même, c'est pas possible. Est-ce que c'était vous qui venez de mettre un coup à l'étage? Elle ou il? Elle ou il? Ah, d'accord. Elle ou il, donc,
C'est une femme ou un homme, quoi. Est-ce qu'on vous dérange? C'est toi le caillou? Ouais, c'est bon. Nous? Vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs autour de nous? Faites un bruit. Puissance. Puissance? Parce que vous êtes puissant? Ce trou, il était là, la dernière fois, en face. Quel trou? Je sais pas. On va regarder sur la vidéo, mais je sais pas. Se réveiller. Se réveiller? Se réveiller de quoi? Fais gaffe à là-haut. Se réveiller. C'est vous qui venez de mettre un coup dans le mur. Là, non? J'ai entendu une voix, ouais. Non, non, pas une voix, j'ai entendu. C'est vous? Ce qui est bien, c'est quand même un phare, je t'éblouis pas. Cause toujours. Bon, c'est ça. Cause, mais cause de quoi? Parce que déjà, une personne est décédée dans les lieux, dans ces lieux. J'étais pire que... Partir. On devrait partir? Est-ce qu'on devrait partir? Vous voulez qu'on parte, c'est ça? Ça marche bien avec le... Ouais, ça enregistre nickel, cran. Mais tu sais, le bois rouge. Voilà. Ben... C'est mieux ou pas? Hein? Ah, ça, y a rien à dire. Tu vois la différence, hein? Ah ouais. Ah ouais, quand même. Ah oui, tu peux... Ouais, tu peux... C'est calme pour le moment. Ah oui, c'est clair, c'est calme. On a eu, enfin ici, on a eu un coup dans le mur. Et en plus, on a entendu des pas aussi. Moi, j'avais prévu des questions. Putain, pour une fois. Oh putain. Vas-y, je vais poser des questions. Hein. Y a-t-il une fille qui est décédée ici? Reste-t-il des soldats français qui se sont fait torturer par les SS? Et la question qui tue, qui est ma troisième, que j'ai pas envie forcément de poser. Et toi, le diable ou le démon qui habite ici, pourquoi résides-tu ici? Est-ce que tu es là pour protéger la demeure? Putain, j'ai frisson partout. Ouais. Ou es-tu là parce que tu sais qu'il y a des personnes qui vont venir ici, donc tu peux te permettre de les torturer? Question de balle. Mais... Ça m'a creusé la tête toute l'après-midi, ce truc. Et on aimerait bien avoir des réponses sur les trois questions.
Mais pour moi, c'est pas encore là. Parce que la dernière fois, c'est parti en couille beaucoup plus tard. Ah oui, oui. Parce que là, c'est encore tôt. C'est que 21h30. Hein. Et toi, tu vas voir rose. C'est pas beau ça. Tu vois le tout rose. J'aurais aimé le lever du cerveau, ça. Et ça, pour rigoler, j'essaie de la chercher. C'est la chaussure à Nico. Ouais, j'ai pas de la pompe. Il a décrété d'être pieds nus aujourd'hui. Ça. Bon, on respecte quand même les lieux. Petite déconnade. Est-ce que vous êtes parmi nous? Souhaitez. Ah, vous souhaiteriez être parmi nous? Est-ce que vous nous voulez du mal qu'on soit là? Rapport. Rapport. Rapport, mais rapport à quoi? Rapport. Ben, si ça fait comme la dernière fois elle est avec Laetitia, regarde, ça voulait rien dire et quand je suis rentré à la maison. Tante. Tante? Pourquoi une tante? Construction. Oui. J'ai même le monsieur qui a construit la maison. J'ai le nom et le prénom. Comment il s'appelle? Le nom et le prénom? Ouais. Oh Dieu, bon. Attends, laisse-moi retrouver le résumé. Vous appelez comment? Attends de retrouver le résumé. Quel est votre prénom? Désolé, mais je vais devoir allumer. Conduire. Conduire? C'est un monsieur qui était algérien. Qui est arrivé d'Algérie, c'est monsieur Vivarès Auguste, qui a construit la maison pour son fils. C'est ça, monsieur. Qui date de fin 18e, début 19e. P. Voilà, P. C'est ça, fin 18e, en 1880. Donc la maison, vous avez compris. Autorisée. Donc vous avez compris, la maison a été construite en 1880. Et donc monsieur Vivarès, c'est ça? C'est ça, monsieur Vivarès. Monsieur Vivarès, est-ce que c'est vous qui étiez autour de nous? On sait que votre fils a un peu... Façon. Voilà. A pas beaucoup habité la maison parce qu'il s'est retrouvé avec des bruits dans le sol et dans les murs. Ainsi que du sang qui coulait à travers les murs. Monsieur Vira, c'est vous? Tout à l'heure, nous avons entendu un coup dans les murs. Est-ce que c'était vous? Mais encore. Mais encore? Tu vas me dire, attends. Je suis trempé de sueur. Ah, il fait chaud. Mort étouffant. À présent. À présent? Donc, si on comprend bien, dans la maison, vous l'avez fait construire. En fait, pour votre fils, quoi, gros. C'est ça. En 1890. 1880. Je vais finir que je la paierai si c'est un ouais. C'est clair, parce que, bon, même sans... Enfin, c'est inaudible, quoi, je veux dire. Je comprends pas. Je sais pas, ça a aucun sens, en fait. Enfin, c'est pas que c'est inaudible, mais ça n'a aucun sens dans nos réponses, quoi. Donc,
Quand tu poses une question, ça répond au karma à côté. Je comprends pas. Résultat. Ça m'a sorti pareil, mais chez moi, ça. Résultat ? Ouais, résultat, maladie. Est-ce que c'est vous, monsieur Villares ? Ça m'a sorti quoi aussi, médical. Qui avait donné un coup dans le mur ? Ah ouais ? Mais c'était pour moi, ça. Attendre. Ah ben ça, on attend. On est patient. Nous sommes patients depuis tout à l'heure. C'est pour cela que justement on pose beaucoup de questions. Ah, ça c'est mon genou qui a craqué. La foi. Oui. Pourquoi la foi ? Parce que je suis allé à l'église. Ah ! Donc nous avons la foi. Et bizarrement. Nous avons les fois. Bizarrement, je vais mourir. Mourir. Oh, t'as entendu? Non. Ah non. À l'étage. Ouais, mais depuis tout à l'heure, il y a des pas. Moi, j'ai des frissons par contre. Ah, moi aussi, je pense avoir des frissons aussi. Est-ce que c'était vous qui avez donné un coup de nouveau sur le plancher? Réduire, oui, toi je vais te réduire à néant, toi, je suis n'importe quoi. Est-ce que c'était vous ? Attends, après ça peut être des choses nocturnes aussi, hein. Chauve-souris, oui. Ou alors après, peut-être aussi des petits rongeurs, tu vois, des rats, mais ça, combien réalisateur. Rats ? Oui, c'est vrai, mon... Ben ouais, c'est vrai en plus. Oui, je suis réalisateur, exactement. Pourquoi ? Des rongeurs, comment ils seraient pour grimper là-haut? Il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien, que dalle. Mais vos rongeurs, ça grimpe, hein, Nico. Arrête, t'as le coup que ça met. C'est pas un rongeur. Non. Commande. Non, c'est pas lui qui commande, c'est personne. Personne commande, là. Oh, ce bruit que ça fait. On l'entendra sur l'autre caméra, puisqu'elle est là-haut. Est-ce que c'était vous? Faut rester cool, Nico. Ça sert à rien de s'embrouiller la tête. Faut laisser faire. La dernière fois, on a fait comme ça. Ouais, on a laissé faire, mais non, mais ce qui est là, c'est que ça n'a aucun. Police ? Pourquoi la police est autour de nous ? Elle va venir ? Pourtant, on fait rien de mal ? Peut-être parce qu'il y a. On n'abre pas les lieux. Peut-être parce qu'il y a un couillon qui a oublié de demander des autorisations. Ouais, certainement. Et on va pas dire qui. Obligé ? Obligé de quoi ? D'avoir des autorisations ? Alors, tu vois, la dernière fois, autant, tu vois, c'était cette fenêtre qui m'intriguait. Autant, maintenant, c'est l'étage. Inutile. Bon, d'accord, continue à parler, toi. Autant à l'étage, tu vois, là c'est un truc. Et ça a commencé comme ça la dernière fois, ça a commencé par l'étage, et puis après c'est descendu en bas. Ouais. Et là, visiblement, il n'y a pas l'air de vouloir se manifester. À part vite fait là, rapidement, mais. Moi je pense qu'il faut laisser le temps de venir. On va employer la manière forte. La manière forte, je l'ai dans le téléphone si tu veux. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Déconne. Ah. Espèce de salopard, vas-y, remontre-toi. Ah, moi j'avais pire que ça. Qu'est-ce que t'avais? Ah oui. Moi j'ai pire que ça. Ah. Voilà, vu que tu veux jouer avec nous, ah, mais là on est prêt, on t'attend. Moi j'ai pire que ça. Montre-toi. Si tu veux. Tu fais hop. La dernière fois, t'as su jouer avec l'honneur. Maintenant, on t'attend, les pieds fermes, ils sont prêts.
lequel? Quoi? Ah non, c'est pas celui-là. Remontre-toi. J'ai deux squelettes à des moments dans toi. Ouais. Tu es parmi nous. Hé ! Hé ! T'as pas mieux ? Ça t'a pas mieux. Qu'est-ce qu'il dit ? Et là, ce que fait Gare Baba. Tu veux jouer avec moi ? J'arrivais à le faire décoller une fois.
vivre. Tu te plais dans le noir? Oh oui. Nico, on repasse par toi. T'es heureux. T'es heureux. Hein, t'es content. Il est content. Il est à 10. Dodo. C'est ça. Vous savez qui c'est, Dodo? Bande de con. Allez, c'est reparti. Bande de con, Dodo, le regard qui change. Nico, il est passé par toi. T'es là? Ouais. On est à moitié. Dodo. Putain, dès que tu dis dodo, ça monte dans les 10. Dodo. Dis-le toi. Non. Dodo, il va aller de dos. Il parle pas de ma famille, hein. De qui? Parle pas de ma famille. Non, c'est vrai. T'es là? T'as touché? Dodo. Si je te le pose par terre, tu le toucheras de nouveau? Tu le fais biper jusqu'en haut? Qu'est-ce que tu fais? Il est heureux. Il est heureux, il a sorti sa blagounette de merde, il est heureux. Comment rien? Qui comprend rien? T'es qui? Les gens. Mais t'es qui toi? Dodo. C'est Nicolas ou c'est... Pompez mon énergie, je suis fatigué. Sors un peu dehors. Je suis crevé là. Je suis l'ami. Sors un peu d'eau. Tu ne fais pas peur non plus de l'eau. Raconte-nous. Raconte-nous quoi? Il passe à travers toi, Nico. Ouais, mais là, je suis vraiment fatigué. Je suis crevé. C'est pour ça que je te dis, sors un peu d'eau. Ça me fume une petite cigarette, non? Pourquoi ça me montre ma gueule? Ça me bat les couilles, ma gueule. C'est à vous de comprendre. À vous de comprendre. À nous de comprendre. Je ne suis pas la bonne idée. Et on doit comprendre quoi? Thank you.
venu au lieu sur vous d'abord. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça donne? C'est ce que je cherche. Tu veux nous reparler, s'il te plaît, mais à travers ça? Ouais, s'il te plaît. Parle-nous à travers l'ovilus, pas à travers moi, s'il te plaît. J'ai pas d'ovilus. Développement. Tu te développes? Proposition. Tu veux faire, nous faire quoi comme proposition? Propose. Tu me regardes et qui m'énerve. C'est Laura. Qui? Laura. Laquelle Laura? J'en connais une. De conclure. Tu veux conclure quoi? Quelle Laura? Dis-moi. Site. Site. Laura. Durieuse. À tous. Aimé, qui c'est qui aimait? Du sang. Oui, il y a eu du sang ici. Du sang. Du sang, il a dit. Bon, du sang, on veut. Ouais, prends un verre. Histoire de... Tu peux nous en dire plus sur le sang? Une femme, oui, et une femme qui est morte ici. Mais on ne sait pas son prénom. Tu peux nous le dire à ton prénom? Bouche, ça veut trop rien dire. On veut en savoir un peu plus. Nico, on est ça, Nico, il est fatigué. Moyenne. Il est crevé. Voilà, c'est vrai, moi je suis fatigué, épuisé. Va dehors. C'était pas assez à aller dehors, hein, Nico? Non, mais là, ça va aller. Moyenne. Moyenne de quoi? Tu veux qu'on reste? Oui, on est là, on va rester un petit moment. Ça y est, j'ai mon téléphone qui a redéconné. Ça va mieux? Ouais. Et moi je l'ai craqué noir. Voilà mon téléphone. Nico. Ah ouais?
Comment ça? Oh putain. Merde. Il fonctionne. Je veux pas entendre parler d'église ni d'arabie. Qui? Toi? Moi. Ni l'araméen, ni l'église. Qui? Mais qui c'est qui parle là? C'est toi? Bah oui. Mais toi qui? Tu veux pas entendre parler d'église? Ouais, si tu veux. Ouais, y'a pas d'église. Y'a plein de choses. Exorcismus recitari potest ab episcopis. Nec non a sacerdotibus, qui ad ordinaris quis, ad ire autoritatem avent. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Exsurgat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiant qui ordinum meum a face eius, sicut difficit et fumus, deficiant, sicut fluis era a face ignis, sic perent peccatores a face Dei. Judica, Domine, nocentes me, expugna impugnantes me, confundatur et reverentum quarentes anima mea, le prépare en français. Avertrantur retrosum. Pareil. Et cofundatur cogitantes mihi mal. Fiat tamquam vulvis ante faciem beus. Et angelus domini certa meus. Fiat... Ça, c'est pas araméen, c'est italien. Tu vois ça? C'est ça qui te fatigue? Non. Hein? Ouais, mais ça fatigue. C'est... Là, je suis fatigué, je suis épuisé. Je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir un peu parce que là, je suis complètement épuisé. Comme la dernière fois, 23h15. Syrien? Pourquoi il dit ça? Du Syrien? Du Syrien? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du Syrien? Je sais pas, je comprends pas. Du Syrien? C'est pas... De quoi est-ce que j'ai fait écouter? Non, je sais pas. Mais c'est lieu. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces lieux? Dans ces lieux? Il y en a eu plus d'un, Martra. Faut pas y en oublier, ouais. Qu'il a été par les SS. Hein. Et qu'il y a eu des tortures. Merde. De nouveau? Ouais.
Il y avait qui, Laura? Caché. Tu te caches, hein? Non, conduire ça y était pas. Elle remarche ta lumière? T'es mieux dans le noir. Hein? Ah ouais. Café. Et de nouveau, ça recommence. Café. C'est bizarre parce que dès qu'il repasse par toi, Nico, ouais, ça devient n'importe quoi. C'est clair. Donc là, ça va rien dire vu qu'il repasse par toi. Restez dans le sol. Restez, allez-vous là, dis. Dis qu'il a tué les gens. Ça, c'est bien possible. Et tuer qui? C'est parti d'un temple maya. Un temple maya? Un temple maya. Je vais juste de changer le micro de place, je vais monter le micro, il bouge tout seul. Le pied bouge tout seul? Ouais. Pardon. Moi je suis pas un démon, je suis le diable. Et bon, moi tu me fais pas peur. Hein. Tu m'as déjà collé alors. Mais tu me collé. Ah putain. Ça. Où ça? Où tu m'as collé? Tu le sais où tu m'as collé? Tu m'as collé chez moi. De nouveau t'as les yeux rouges, Nico. Il est où ce compte de téléphone? Pas de flash. C'est un fou de la beauté là, qu'est-ce que tu me fais?
c'est ici. Après, il est coincé ici. On va voir. Et pourquoi ça va revenir en zéro, ça? Pourquoi tu es coincé ici? Tu vas finir quoi? Difficile. Difficile. Si tu es avec nous, Ludo, hey, essaie de parler. Non. Premier. Sûr. Endroit. Sur un endroit. C'est tout ce que tu racontes sur un endroit. Noble. Noble, pourquoi il dit noble? Je sais pas. Noble. Selon. Selon quoi? Chacun. Selon chacun. Noble selon chacun. Ça veut trop rien dire. Dégager. Ah là c'est mieux. Dégager. Donc tu veux qu'on parte. Donc tu veux que ça aille. Dégager. Dégage. C'est à lui de dégager, c'est pas lui. Plutôt. Il y a un démon prénommé Dodo en islam. Il n'est pas qu'en islam, il est partout, Dodo. Apparemment, il est en islam. D'après ce que dit. Merci pour l'info, j'ai fait partie. C'est pour lui, tu finiras pour expliquer ce que tu dis. Dégager, je sais plus quoi, et je sais plus quoi. Donc, erreur. Ah, c'est une erreur que tu nous dis de dégager. Mais t'es pas très malin. Ou on reste, ou on part. Je
Et pourquoi on devrait partir? Supprimer. Ah, tu veux nous supprimer si on dégage pas. Et si on veut pas partir? Parce que si tu nous supprimes, on sera dans l'autre monde, donc on te verra. Citoyen. Citoyen. Ça fait deux fois citoyen. Citoyen. Et si moi je veux parler à la dame qui est décédée ici, au lieu de parler à toi? Demain. À demain? Mais non, mais j'ai pas envie demain, on est déjà demain. Du moins dans 10 minutes. Tu pourrais nous dire ton prénom? Culture. Culture. Ton prénom c'est Culture. Ben quoi? Culture. C'est quoi ce prénom? Je sais pas, il culture peut-être des oranges, non? Soir. Culture le soir? Non, on n'est plus le soir là, on est. Ben à minuit, on sera demain matin, donc. Excellence. L'excellence. Regarde, on s'est remis un peu dans le noir, toi et moi. Ça serait bien d'avoir une véritable conversation. Maximum. Ah, t'es au maximum. Ben moi, je suis pas au maximum. Il a disparu. Il est où? Il revient deux fois dans trois. Ah ouais.